psalmiste David dit, l'apôtre David dit, je suis heureux, I'm glad, très heureux, very glad, quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. When you tell me to go to the house of the Lord. Amen. Amen. Et moi aussi, ce matin, je dis que je suis heureux d'être là. And me too, this morning, I think I'm glad to be here. Parce que c'est là où nous rencontrons notre Seigneur. Because this is where we meet our Lord. Alléluia. Amen. La Bible déclare que tout passera. The Bible says that everything will pass. Tout. Everything. Excepté rien. Apart from nothing. Tout passera. Everything will go. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. But the word of God will remain. Alléluia. Amen. La Bible déclare que au commencement était la parole. The Bible declares that at the beginning was the word. La parole était avec Dieu. The word was with God. Et la parole était Dieu. And the word was God. Et la Bible nous dit que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole de Dieu. And the Bible says that everything that was done by God was not done without the word of God. Et à chaque fois que Dieu voulait faire quelque chose à son peuple, il envoya la parole. Every time the Lord wants to do something to his people, he always sent his word. Donc j'encourage les chrétiens d'aujourd'hui d'aimer la parole et de lire tous les jours la parole de Dieu. So encourage Christians today to read the word of God every day. Parce que rien ne peut t'arriver sans la parole de Dieu. Because nothing can happen to you without the word of God. Tout ce que tu attends de Dieu est écrit déjà dans la parole. Everything that you wait from God is written in the word. Dans la parole de Dieu, nous avons la promesse de Dieu. In the word of God, we have the promise of God. Et la parole de Dieu nous dit que celui qui nous a promis est fidèle et juste. And the word of God says the person who has promised us is faithful. Voilà pourquoi moi j'aime la parole. Which is why I love the word. Voilà pourquoi j'aime ce moment de prêcher la parole de Dieu. Why I like to preach the word of God. Pour commencer, je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Et je salue aussi tous ceux qui nous suivent sur Internet. I welcome the people who are watching on Internet. Tous ceux qui sont fidèles à RLC. Who is faithful to et fidèles à notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Que le Seigneur nous bénisse. May the Lord bless us. Et que ce moment soit pour la seule gloire de Dieu. Que nous disparaîtrons. That we disappear. Et que Christ apparaît. Christ lorsqu'il apparaît, il donne la vie. When he appears, he brings life. Lorsqu'il apparaît, il amène la guérison. Lorsqu'il apparaît, il amène le miracle. Lorsqu'il apparaît, il amène le salut. Lorsqu'il apparaît, il amène la solution. Parce que because son nom his name est la solution. Solution. Alléluia. Amen. Je disais tout passera. Everything will pass. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. The word of God will never go. Je dis tout passera. Everything will go. Les miracles passeront. Miracles will pass. La délivrance passera. Will pass. Les prophéties passeront. Will pass. Mais la parole de Dieu restera éternellement. But the word of God will remain forever. Et alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, c'est vrai que je suis dans la joie. I am enjoying this morning. C'est vrai, je suis dans la joie. It is true, I am enjoying this morning. Parce que je sais que Dieu because I know that est merveilleux. Amen. Is wonderful. Regarde, toute la nuit, all last night, nous étions dormis comme des morts. We were sleeping like dead. Personne ne savait ce qui s'est passé. Nobody knew what was happening. Mais Dieu a veillé sur toi. But God was looking after you. Les anges de Dieu ont veillé sur toi. The angels of God were looking after you. Dieu t'a gardé. God kept you. Il t'a protégé. He protected you. Non seulement ça, mais il s'est passé des choses que toi et moi nous ignorons. And there are things that happened that me and you do not il know. Il a combattu pour nous des combats visibles et invisibles. He fought physical and non-physical battles. Il a dit de nous dire. And the Bible says que chaque matin, every morning, il renouvelle. He renewed sa bonté, his goodness, sa grâce, his grace, dans nos vies, in our lives. À chaque matin, every morning, c'est la vie que chaque matin quand tu te réveilles, every morning that you wake up, sache bien que c'est la grâce de Dieu qui a fait de toi ce que tu es. It is the grace of God that made you what you c'est are. C'est la bonté de Dieu. It is the good being of God. Oh, j'aime le Seigneur. I love the Lord. Je dis j'aime le Seigneur. I love the Lord. Parce qu'il est bon. Because he is good. Il est merveilleux. He's marvelous. Nul n'est bon comme lui. Nobody is like. Personne ne m'aime comme Dieu m'aime. Nobody loves me like Lord. Alléluia. Amen. Ta femme ne peut pas t'aimer comme Dieu t'aime. Your wife cannot love you like God. Ton mari ne peut pas t'aimer comme Dieu t'aime. Your husband cannot love you like God can. Tu sais pourquoi? Do you know why? Laissez-moi
vous dire quelque chose. Let me explain to you something. Les jours de ta mort. The day of your death. Si tu es un homme. If you're a man. Ta femme t'accompagnera. Your wife will be there. Dans ton dernier demeure. In your last resting place. Écoutez bien. Listen. Ta femme t'accompagnera. Your wife will take you there. Dans ta demeure. Ta dernier demeure. In your last resting place. Mais qu'est-ce qui se passera? Oh, what will happen? Lorsqu'il arrivera là. When she gets there. Lorsqu'on va mettre le cercueil au-dessus de, du trou. When you put the when the funeral happened, they put you in a hole. Et là, ta femme sera comme ça. Your wife will be like this. Un pied devant. Once, one un pied derrière. And when they behind. Cela veut dire que je ne veux pas partir avec toi. Which means that she doesn't know. She doesn't know. Vas-y, au revoir, chérie. You go. Bye. Et c'est fini. And it's over. Mais lorsque tu es avec Dieu. If you're with God. Il t'accompagnera partout où tu iras. You go everywhere you go. Hallelujah. Oh, Dieu est fidèle. God is faithful. J'aime le Seigneur. I love the Lord. Hallelujah. Amen. Cela ne t'empêche pas d'aimer ta femme ou d'aimer ton mari. It doesn't stop you from loving your husband or wife. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons lire maintenant la parole de Dieu. We're going to read the word of God. Premier livre de Samuel. First Samuel. Hallelujah. Hier la nuit, j'ai pris mon temps à préparer un message. Last night I was preparing this message. Et lorsque nous avons eu le temps de la prière avec la servante de Dieu, and we had time of prayer with the servant of God, et que je suis rentré dans ma chambre pour dormir, and I went in my bedroom to sleep, et Dieu m'a donné un autre message à la place de ce que moi j'avais préparé. And God gave me another message to take the message that I prepared. Alors je me suis dit, Dieu merveilleux. Ah, je vous dis, j'ai pris le temps d'écrire. J'ai pris mon temps de noter. I took time to write notes. Arrivé dans ma chambre, le Seigneur m'a dit, tu ne parleras pas de ça. And when I read my room, the Lord said, you're not going to be. Et j'ai dit, mais c'est quoi? J'ai pris le note. Oh, I took notes. J'ai tout noté. I wrote everything down. Non, le Seigneur me parle d'autre chose. And the Lord said, no, you're et comme nous sommes serviteurs de Dieu, and because we are servants of God, nous faisons que sa volonté. Amen. Nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 1. We're going to read in 1 Samuel chapter 1. Et nous commençons par le verset 1. And we're going to start from verse 1. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophem, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkanah, fils de Joram, fils de Eliou, fils de Tohu, fils de Tchouf et Ephrasien. Verset 1. Verset 2. Il avait deux femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Il y a deux wives, one was called Hannah and the other Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Pénina had children, but Hannah had none. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo. Year after year, this man went up from his town to worship. Pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. And sacrifice to the Lord Almighty. Là se trouvaient les deux fils d'Eli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. The two sons of Eli were priests of the Lord. Les jours où Elkanah offrait son sacrifice, whenever the day came for Elkanah to sacrifice, il donnait des portions à Pénina. He would give a portion of meat to his wife Pénina. Et à tout le fils et à toutes les filles qu'il avait avec. And to all avait d'elle. And daughters. Mais elle donnait à Anne une portion double. Until Hannah, he gave a double portion because he loved her. Car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Because he loved her and the Lord has closed her womb. Je répète ce passage. I will read this passage again. Il donna à Anne une portion double. But to Hannah, he gave a double portion. Car il aimait Anne. Because he loved her. Virgule. And que l'Éternel avait rendu stérile. And the Lord had closed her womb. Il aimait Anne. He loved Hannah. Que l'Éternel he gave avait rendu stérile. Made her have a closed womb.
arriva à lui prodiguer le mortification pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Because the Lord closed and his womb corrupt. Et ainsi, whenever Anna would talk, chaque fois whenever, qu'elle montait à la maison de l'Éternel, Anna went up to the house of the Lord, Penina la mortifiait. Her rival provoked de la même manière. From the same way. Alors elle pleurait et ne mangeait point. She wept and would not eat. Elkana son mari lui disait. Her husband Elkana would say to her. Anna. Pourquoi pleures-tu? Why are you weeping? Et ne manges-tu pas? Why don't you eat? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Why are you downhearted? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Don't I mean more to you than 10 sons? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Once when they had finished eating and drinking in Shiloh, les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Now Élie the priest was sitting on a chair by the doorpost of the Lord's house. Verset 10. Verse 10. Et l'amertume dans l'âme. In a deep anguish, Anne pria l'Éternel et versa de pleurs. And I prayed to the Lord, weeping bitterly. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées. And she made a vow saying, Lord Almighty, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, if you only look on your servant's misery, si tu te souviens de moi, and remember me, et n'oublie point ta servante, and forget your servant, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, but give her a son, je les consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. And I will give him to the Lord for all the days of his life. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. And no razor will ever be used on his head. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, as she kept praying to the Lord, Élie observa sa bouche. Élie observed her mouth. Anne parlait dans son cœur. Anna was praying in her heart. Et ne faisait que remuer les lèvres. And her lips were moving, but her voice was not heard. Mais on n'entendait point sa voix. Any thought she was drunk. Élie pensa qu'elle était ivre. That she was drunk. Et lui dit, and said to her, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? How long are you going to stay drunk? Fais passer ton vin. Put away your wine. Anne répondit. Anna replied. Non, mon Seigneur. Not so, my Lord. Je suis une femme qui souffre en son cœur. I am a woman who is deeply troubled. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. I have not been drinking wine. Mais je répondais mon âme devant l'Éternel. I was praying up my soul to the Lord. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Do not take your servant for a wicked woman. Car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. I've been praying out of my great anguish and grief. Élie reprit la parole et dit. And he answered. Va en paix. Go in peace. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. And may the God of Israel, and the God of Israel grant you what you have asked of him. Elle dit, she said, que ta servante trouve grâce à tes yeux. May servant find favor in your eyes. Et cette femme s'en alla, elle mangea et puis et son visage ne fut plus le même. Then she went away and ate something, and her face was no longer downcast. Et se levèrent de bon matin, et après être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Early the next morning, they arose, worshipped before the Lord, and went back to their home at Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Elkana made love to his wife Anna, and the Lord remembered her. Dans le cours de l'année, so in the course of time, Anne devint enceinte. Anna became pregnant. Elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. And gave birth to a son. Car dit-elle, she named him Samuel. Je l'ai demandé à l'Éternel. Because I asked to the Lord. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. May the Lord bless his word. Je voudrais vraiment que vous suivez. Que vous suivez attentivement ces messages. I would like to listen to this message. Car ceci va vous encourager. Because this will encourage. Pour vous qui êtes découragés. For those who are discouraged. Pour vous qui pleurez nuit et jour. For those who cry day and night. Écoutez ceci. Listen to this. Le thème de
de notre message l'intitule Pourquoi ton cœur est-il attristé? The theme of this message is Why is your heart saddened? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Why is your heart saddened? Aujourd'hui, nous voyons pas mal de chrétiens. Today we see many Christians qui vont tous les dimanches à l'église, go every day to church, qui prient Dieu, pray to God, mais qui sont toujours attristés. But they're always sad. Pour une raison ou une autre. For an unknown reason. Parce que because ils remarquent qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui ne marchent pas dans leur vie. They notice that there are things that do not work in their life. Ils sont attristés. So they are sad. Et des fois, ils se posent pas mal de questions dans leur tête. And sometimes they ask themselves many questions in their head. Est-ce que Dieu m'aime-t-il? Does God really love me? Est-ce que Dieu marche-t-il avec moi? But is God really walking with me? Écoutez ce que la Bible nous dit. Listen to what the Bible says. La Bible nous parle de l'histoire d'un homme. The Bible is telling us the story of a man. Cet homme s'appelait Elkanah. The man's name is Elkanah. Elkanah avait deux femmes. Elkanah had two wives. Sa première femme était Anne. The first one was Anna. Et sa deuxième femme était Penina. And the second was Penina. Et la Bible nous dit, and the Bible says, la différence qu'il y avait entre ces deux femmes, the difference between both of these women, c'est que Penina avait des enfants. And Penina had children. Et Anne n'en avait point. And Anna had none. C'est ça qui faisait la différence entre les deux. That was the difference between the both. Et aujourd'hui, si nous observons ce qui se passe dans ce monde, and today we see what's happening in this world, nous voyons we la différence, the difference entre les chrétiens, between Christians, les chrétiens qui ont une bonne, qui ont de bonnes vies, Christians with good lives, et les chrétiens qui n'ont pas de bonnes vies, and Christians who have bad lives. Hallelujah. Amen. Et ceux-là qui ont une bonne vie, and those who have a good life, ils pensent marcher avec Dieu. They believe that they're with God. Ils croient être avec Dieu. They believe that they're with ils God. Croient qu'ils sont mieux que les autres. They believe they're better than others. Et qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? What we notice today, dans nos églises, that in our churches, pour que les gens sachent que tu marches avec Dieu, so people know that you're walking with il faut God, que tu sois béni matériellement. You need to have to be, you need to be blessed materially. Oui, you need to be blessed financially. Pour que tu puisses avoir des enfants. You need to have children. La Bible déclare. The Bible declares que Elkanah avait deux femmes. Had two wives. L'une s'appelait one was Penina, Penina. Et l'autre s'appelait Anne. And the other Hannah. Penina avait des enfants. Penina had children. Elle était heureuse. She was glad. Parce qu'elle avait un mari. Because she had her husband. Et elle avait ses enfants avec and children mari. With her husband. Mais Anne n'avait pas d'enfants. But Anne had no children. Et la Bible déclare, and the Bible declares, que Penina qui avait des enfants, Penina had children, elle amortissait toujours Anne. She was always bullying Hannah. Elle amortissait Anne. She was always bullying et Hannah. Penina était très maligne. And she was very smart. Parce qu'il attendait seulement le moment d'aller dans le temple. Because she was waiting for the moment to go to the temple. Alléluia. Au moment où Anne montait dans le temple pour adorer Dieu, when Anna was going to the temple to worship c'est God, en ce moment-là que Penina mortifiait Anne. She said that morning that Penina was bullying elle Anna. Elle se moquait de lui. She was mocking her. Elle se moquait d'elle, pardon. She was mocking her. Elle lui disait tout le temps, she was keeping on saying, regarde, tu es marié comme moi. Look at you, you are married just like me. Mais tu es incapable de concevoir. But you're not capable of having children. Tu es incapable de mettre au monde. Capable of having any children. People of God, let me tell you one thing. Le fait d'avoir des enfants, cela ne veut pas dire que tu marches avec Dieu. Just because you have children does not mean that you're walking with God. Le fait d'avoir le matériel, cela ne veut pas dire que tu marches avec Dieu. Because you have many materials, does not mean that you're walking with God. Le fait d'avoir de belles maisons, cela ne veut pas dire que tu marches avec Dieu. Having many houses does not mean that you're working with God. Écoutez bien ce que la Bible veut nous enseigner. This is what the Bible is trying to tell you. Penina mortifiait toujours Anne. Penina was bullying Anna. Oh, il y a des chrétiens qui sont mortifiés. The Christians who are being bullied. Il y a des chrétiens qui sont persécutés. Christians are being persecuted. Il y a des chrétiens, il y a des gens qui se moquent des chrétiens parce que des autres chrétiens parce qu'ils n'ont pas de moyens financiers. The Christians who are bullying other Christians because they're comparing both of their lives. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Écoutez.
Listen. Peninnah avait peur de deux choses. Peninnah was scared of two things. C'est pour cela qu'elle mortifiait Anna. That's why she was mocking Anna. Peninnah savait. Peninnah knew. Et elle était convaincue que. And she was convinced. Elkanah était tellement amoureux de Anna. And Elkanah loved Anna more than Peninnah. Que Elkanah aimait tellement fort. Elkanah loved Anna more than Peninnah. Oh bien aimé, ce qui est important dans ta vie. What is important in your life? C'est d'être aimé par Dieu. You have to be loved by God. Hallelujah. Amen. Peninnah avait peur de cela. Peninnah was scared of it. Peninnah avait peur. She was scared of it. Elle savait. Because she knew. Que Elkanah. Elkanah. Aimait beaucoup Anna. Loved Anna. Woo. Hallelujah. Amen. Vous savez, il y a qu'une seule chose qui peut faire trembler la terre. You know, there's only one thing that can make the earth shake. C'est qu'une seule chose qui peut faire peur au monde des ténèbres. It is only one thing that can scare the. C'est lorsque. It is when. Les autres savent que toi tu as une relation d'intimité avec Dieu. Oh, no, you have a relation with God. C'est ça, c'est qui fait peur. That is what scares people. Hallelujah. Amen. Anne le savait. Anne knew. C'était la seule raison. She was the only reason. Anne mort un peu plus tôt. Peninnah mortifiait Anne. That was the only reason Peninnah was. Parce qu'elle savait qu'Elkanah l'aimait beaucoup. Donc tu dis que Elkanah loved Hannah. Oh, peuple de Dieu. People of God. Vous qui nous suivez sur Internet. You are following on the Internet. Oh, peuple de Dieu, vous qui êtes ici. People of God, you are. Laissez-moi vous dire une chose. Let me tell you one thing. Quel que soit le moment difficile que vous traversez dans votre vie. And no matter what difficult moment you're traveling in your life. Laissez-moi vous dire que Dieu vous aime tant. Let me just tell you that the Lord loves you. Oh, j'ai dit que Dieu vous aime tant. I said God loves you. Oh, toi qui n'enfante pas. You have no children. Toi qui prétends être stérile. Dieu t'aime. You are not. Dieu t'aime. God loves. Mais écoute un peu. Listen. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? What happened in this story? La Bible déclare. The Bible says que Peninnah, that Peninnah avait des enfants. Had children. Mais Anne n'en avait pas. But Anna didn't. C'est pas parce que Anne n'avait pas une relation avec Dieu. It's not because Anna had a relationship with God. C'est pas parce que Anne a commis un péché quelconque. Mais la Bible nous dit c'est Dieu seul qui l'a rendu stérile. It is because God himself made her. Bien aimé, souverain. God is sovereign. Dieu est souverain. God is sovereign. Il fait ce qu'il veut. He does what he wants. À qui il veut. At who he wants. Comme il veut. Like he wants. Dieu a voulu. God chose to. Dans son plan. In his plan. On ne sait pas exactement pourquoi. You don't know why. Selon mes recherches, je n'ai pas vu quelque part où il est écrit que Dieu a rendu Anne stérile parce que Anne a fait ceci ou a fait cela. German reason, I didn't see because, why God chose to make Hannah unable to give birth. Mais il a plus simplement à Dieu de lui rendre stérile. But God just chose to make her unable to give birth. Oh, si Anne était à notre époque aujourd'hui. Anne was in the hour. It was in our. Elle allait parcourir des églises en église. She'll be going church to church. Pour aller chercher la délivrance. To find deliverance. Oh, laissez-moi vous dire que tout ce que vous vivez. Let me tell you everything you're living. Ne pense pas que tout ce que vous vivez dans votre vie vient de l'ennemi. You don't believe that everything in life that comes from the enemy. Je dis ne pensez pas que tout ce que vous vivez dans votre vie vient de l'ennemi. You don't believe that everything that's going in your life comes from the enemy. Ne pensez pas que votre stérilité est une œuvre démoniaque. You don't feel that that you being unable to give birth is something through. Ne pensez pas que votre stérilité est un lien de la famille. You don't think that. You being unable to give birth through your family. Ne pensez pas que votre stérilité est un démon. Do you not believe that you are unable to give birth through a demon. La Bible déclare. The Bible declares. Que rien ne peut nous arriver si l'Éternel ne le permet. Nothing can happen to you unless the Lord allows it. Suivez-moi, rien ne peut nous arriver si l'Éternel ne le permet. Yes. Nothing can happen unless the Lord says it can. Oh, chaque chose que Dieu permet dans nos vies, c'est pour nous enseigner quelque chose. Lord, I don't think I have to teach you something. La deuxième chose que Peninnah avait peur. The
C'est le silence de Anne. The silence of Anne. Alléluia. Amen. Je dis bien de la deuxième chose que Pénina avait peur. The second thing that Pénina was scared of. C'est le silence. It's the silence. Le silence. Silence. Le silence. Silence. C'est une arme très puissante pour un chrétien. Quelle que soit la situation. No matter what the situation. Quel que soit ce que tu traverses dans ta vie. What you're going through your life. Oh, restez silencieux. Stay silent. Restez calme. Stay calm. Demeurez dans la présence de Dieu. Amen. Parce que Dieu fait chaque chose à son temps. He does everything in His time. Thank you, Father. Hallelujah. Amen. Deux choses. Two things. Pénina savait. Pénina knew. Que Elkana. Elkana. Aimait beaucoup Anne. Love Hannah. Hallelujah. Amen. Les autres. The ceux qui sont autour de toi. Those who are around you. Ils savent bien. They know. Ils savent bien. They know. Que Dieu t'aime. That God loves you. Ils savent bien. They know. Que tu marches avec that Dieu. Meet you ils God. Savent bien. They que know. Tu as une relation avec they Dieu. Have a relationship ils savent with God. Bien. Que tu as une intimité avec Dieu. You have a personal relationship with God. Quoi? Which is why. Il te mortifie. He's making you go through. Il te décourage. Mm. You're trying to, il te dit des paroles de découragement. Trying to discourage. Oh mon frère. Oh my brother. Toi qui pries. You are praying. Toi qui prêches la parole. You are preaching. Oh ma soeur. Oh my sister. Toi qui vas tous les dimanches à l'église. You go to church every Sunday. Toi qui donnes des offrandes. You give offering. Tu payes des dîmes. You pay tithe. Regarde ta vie. Look at your life. Regarde comment tu es. Look how you are. Sans enfant. Without children. Sans mari. Without husband. Sans travail. Without work. Sans maison. Without house. Sans argent. Without money. Mais qu'est-ce que tu fais avec Dieu? What do you do with God? Ça fait mal. It hurts. Et la Bible déclare. The Bible declares. Lorsque Anne attendait tout cela. That when Hannah listened to all this. Elle pleurait. She cried. Mais dans le silence. But in silence. Elle pleurait. She cried. Mais dans le silence. But in silence. Elle pleurait. She cried. Mais dans le silence. In silence. Pénina le savait. Pénina knew this. Que à chaque fois que Anne montait, that every time that Hannah went off, dans le temple pour chercher Dieu, to the temple to find God, Pénina avait peur. Pénina was scared. Parce que Pénina savait que Dieu pouvait peut exaucer la prière d'Anne. Because she knew that God could answer the prayers of Hannah. Il décourage, elle décourageait Anne. She tried to discourage her. Elle a mortifié. She tried to burn her. Elle disait des paroles méchantes. Trying to mock her. Toi, tu es stérile. You are unable. Regarde. Look. Mon mari ne t'aime même pas. I'm not even nice. Parce que tu es incapable de lui donner des enfants. Et Anne, elle montait au temple. And Anna was going up to the temple. En pleurant. Crying. Elle s'est posé pas mal de questions. Asking lots of questions. Elle s'est dit, Seigneur. She was saying, why? Qu'ai-je fait? Why, Lord? Pour que je puisse mériter tout ceci. What did I do to deserve all this? Seigneur, pourquoi? Why? Pourquoi? Why? Pourquoi? Why? Pourquoi? Why? Elle était toujours dans la présence de Dieu. She was always in the presence of God. Écoutez. Listen. Selon la réaction d'Elie, through the reaction of Elie, nous avons compris que Pénina, nous avons compris que Anne, you understood that Anna, à cause due to ce que lui faisait sa rivale Pénina, due to what Pénina was doing to her, elle s'est donnée dans l'alcool. She put herself in alcohol. Mais ce qui est impressionnant, what is impressive, c'est que malgré that even though qu'elle prenait l'alcool, taking alcohol, qu'elle s'est livrée, that she went, elle était toujours dans la présence de Dieu. She was still in the presence of God. Elle était toujours dans la présence de Dieu. She was always in the presence of God. Oh bien aimé, malgré tout ce qui peut arriver dans ta vie, no matter whatever happened in your life, demeurez toujours dans la présence. Stay in the presence même of God. Même si tu tombes dans le péché demain, even if you fall in sin, demeurez dans la présence de Dieu. Quitte jamais la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu t'amènera à la repentance un jour. Alléluia. Amen. Oh, écoutez. Listen. Je disais que si Anne
vivez à notre époque aujourd'hui, we're living in our time today, Anne allait, Anne was, chercher des hommes de Dieu, going to look for men of God, Anne allait, Anne was going, chercher la délivrance comme aime bien dire les autres serviteurs, look for deliverance, chercher la délivrance, look for deliverance, chercher la délivrance, look for deliverance. Le chrétien ne cherche pas la délivrance, do not look for deliverance. Le chrétien cherche le royaume. Anne allait subir des choses incroyables. Anne would probably be suffering. Si elle vivait à notre époque, if you're living in our times, et qu'elle venait dans ton église, she came to your church, tu allais lui dire Anne, you'll tell her, Hannah, tu as besoin de la délivrance. Need deliverance. Anne, Hannah, tu as un démon de stérilité. I have a demon in you. Anne, Hannah, tu as une malédiction familiale. Anne, ça c'est un lien de la famille. And nothing to do with family. Anne, la Bible dit. The Bible says. Il y aura ni femme stérile. There will be no. Ni femme qui apporte en Israël. None of them in Israel. Comment tu parviens pas à donner des enfants, Anne? How could you not be able to give children? Tu dois faire 30 jours de prière, Anne. To be virgin in prayer. Anne. Tu dois entrer en jeûne d'Esther, Anne. You need to read the first name of David. No. No. Anne allait souffrir à notre époque. No, she would be suffering at our time. Parce que Anne allait entrer de gêne en gêne. We shall go fasting and fasting. Le gêne de 3 jours. Fasting for 3 jours. Le gêne de 7 jours. Le jeûne de 21 jours, 21, le jeûne de 41 jours. 22. Mais la Bible déclare, the Bible says, que personne, that nobody, dans le ciel, in heaven, sur la terre, or on earth, et sous la terre, under the earth, ne peut fermer, will be able to close, la porte que Dieu a ouverte. Amen. The door that the Lord has opened. Ni personne ne peut ouvrir la porte que Dieu a fermée. Nobody can open the door. C'est Dieu qui a rendu Anne stérile. God made Anne stérile. Oh mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que Dieu est en train de vivre. Do you not know what you're living right now? Est-ce que cela ne vient-il pas de Dieu? Is it not coming from God? Alors pourquoi ton cœur est-il attristé? Why is your heart sad? Pourquoi tu pleures tout le temps? Why you always cry? Pourquoi tu te lamentes tout le temps? Why you always complain? Pourquoi tu te poses tout le temps des questions? Why you always ask questions? C'est Dieu qui a fait de toi ce que tu es. God has made you what? Rien ne peut t'arriver si l'Éternel ne le permet. Nothing can happen to you unless the Lord. C'est Dieu qui a rendu Anne stérile. It is God who made. Cela veut dire que Anne n'avait pas besoin de la délivrance. So that Hannah didn't need deliverance. Anne avait simplement besoin de demeurer dans la présence de Dieu. To stay in the presence of God. Et c'est ce qui est impressionnant. This is what is impressive. Les jours où Anne est entrée dans le temple pour prier Dieu. The day that Hannah went to the temple to pray God. Pour faire un vœu à Dieu. To ask one wish to God. La Bible nous dit que le sacrificateur Élie était là. Élie was there. Si c'était à notre époque aujourd'hui, if it was in our times today, qu'est-ce que Anne allait faire? What would Hannah do? Homme de Dieu. Man of God. J'en ai assez. I've had enough. Délivre-moi de cet esprit de stérilité. Deliver me from this. Homme de Dieu. Man of God. J'en ai assez. I've had enough. Mais Anne dans le temple n'a pas regardé Élie. But in the temple, she didn't look at Eli. Oh, hallelujah! Anne dans le temple n'a pas regardé Eli. But in the temple, she did not look at Elijah. Il n'a même pas fait attention à Eli. She didn't even look and pay attention to Elijah. Anne, elle rentrait dans le temple. She just went to the temple. Elle dépassa Eli. She went past Elijah. Et elle allait se mettre dans la présence de Dieu.
tu passes ton temps dans la présence. Elle a prié à Dieu. Pray to God. Tout seul. Tout seul dans le silence. Elle commençait à demander à Dieu ce que son cœur avait besoin. She started asking God what her heart needs. Et pendant qu'elle priait, and while she was praying, on n'entendait pas sa voix. Could not hear her voice. Elle faisait que remuer ses lèvres. She was just mouthing. Et she was falling from her face. Et Eli de loin, et il regardait. And Eli was looking from far. Et il dit, and said, Oh, Anne, jusqu'à quand tu continueras toujours à prendre l'alcool? How long are you going to keep taking alcohol? Écoutez, yes, sir. Un homme de Dieu peut se tromper. A man of God can be mistaken. Un pasteur peut se tromper. A pastor can be mistaken. Un prophète peut se tromper. A prophet can be mistaken. Parce que Élie, il s'est trompé. He was wrong. Élie croyait. Que Anne était ivre. Anne was drunk. Mais Élie a oublié. Que Anne demeurait toujours dans la présence de Dieu. Oh, peuple de Dieu, ce qui est important, ce n'est pas aller chercher la délivrance vers un homme. C'est aller chercher la délivrance vers Dieu. Amen. Aller dans la présence de Dieu. Demeurer dans la présence de Dieu. Il fait chaque chose à son temps. C'est lui qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Today, et c'est lui qui te donnera des enfants. The person will give you children. Alléluia. Amen. Anne pleurait amèrement. Anne was crying bitterly. J'aime bien ce que Anne avait dit à Élie. I like what Anne said to Elijah. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Thank you, Lord. La Bible nous dit, et l'amertume dans l'âme. Verset 10, elle pria l'Éternel, versa de pleurs. And the deep anguish, Hannah prayed to the Lord, weeping bitterly. Et la Bible nous dit, and the Bible says, elle fit un vœu. And she made a vow. Ça c'est le secret. That is the secret. Écoutez. Listen. Ça c'est le secret. That is the secret. De la prière. Of prayer. Anne a fait un vœu à l'Éternel. Anne made a vow to the Lord. Il a dit, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante. Then God Almighty, if you look at the affliction of the servant. Si tu te souviens de moi. If you remember me. Et ne m'oublie point. Do not forget me. Si tu donnes à ta servante un enfant mâle. If you give me. Je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. I will put it into your hand for all of the days of his life. Lorsque nous demandons à Dieu, we ask God. Il faut aussi que nous disions à Dieu ce que nous ferons après avoir reçu ce que nous lui demandons. And we need to also tell him what we're going to do with what he has given us. Tu demandes à Dieu. We ask God. C'est bien. Mm-hmm. Dieu peut te donner. Okay, give me. Mais qu'est-ce que tu feras? What will you do? De ce que Dieu t'a donné. To what God has given you. Hallelujah. Amen. Amen. Si tu demandes à Dieu de l'argent, you're asking God for money. Il faut dire à Dieu aussi ce que tu feras avec cet argent. You need to tell God what you're going to do with this money. Hallelujah. Amen. Tu demandes à Dieu de l'argent. You ask God for money. Mais dans ta tête, tu te dis, si Dieu me donne de l'argent, God give me money, je vais m'acheter. I want to buy pour toi seul. For myself. Et tu oublies celui qui te l'a donné. Forget the person. Je veux m'acheter une belle voiture. Comme font beaucoup d'hommes aujourd'hui. Je veux avoir une belle villa. Have a good villa. Et je veux mettre une montre. I'm gonna have a what? Rolex. Worth a lot. Hallelujah. Amen. Mais lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, but if you're asking God, il faut aussi lui dire ce que vous allez faire. You need to also vous aussi à votre retour. When you come back. C'était ça le secret de Anne. That is the secret of Anne. Et écoutez, and listen, Anne a dit, si tu me donnes un enfant mâle, you give me a son, je te le consacrerai. I will put him into your hand. Je te le donnerai. I'll give him to il you. Sera à ton service tous les jours de ta vie. For every day of his et life. Le rasoir ne passera pas sous sa tête. And razor will never go on his head. Wow. Lorsque tu as entendu. When God heard this. Lorsque Dieu a entendu when cela, God heard this. Dieu a dit, mais cette femme, je ne peux pas lui donner n'importe quel enfant.
I said, this woman, I can't give her any child. Je dois lui donner un prophète. I need to give her a prophet. Hallelujah. Amen. Mais regarde ce pays-là. But look at Penina. Elle en avait combien? She had how many children? Plusieurs. Many. Plusieurs. Many. Mais parmi ses enfants, children, la Bible ne parle pas. La Bible ne parle d'aucun de ses enfants. The Bible doesn't say anything about the children. La Bible ne parle d'aucun de ses enfants. Oh, cela que tu vois aujourd'hui. What you see today? Qui roule avec de belles voitures. Good car. Qui ont de belles villas. Good. Qui ont des comptes en banque passés par là. Amen. Qui cherchent le matériel. Laisse-les tranquilles. Leave them alone. Lorsque Dieu te donnera. When you God give. La Bible déclare. The Bible declares. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. It's the only the blessing of God that can make you. Et il ne se fait suivre d'aucun chagrin. And not followed by anything. Imagine-toi un homme qui a tout ce qu'il faut. Imagine you a man that. La nuit il va dormir. The night you go sleep. Et le matin on attend pour qu'il se réveille. And the morning you wait to wake up. Il se réveille plus. He doesn't wake up. Il laisse l'argent. Il laisse sa femme. Wife. Il laisse ses biens. Is it good? Il laisse le village. He's et out. Il est parti. Mais lorsque Dieu te donne, when God gives you, il te donne aussi le temps. He gives you time. Woo! De vivre, de vivre. Yes. Dieu ne peut pas me donner une bénédiction aujourd'hui et demain moi je meurs. God can't give me a blessing and then tomorrow I die. Quand tu vois des choses comme ça, ça ce sont des choses qui viennent de ténèbres. When you see this kind of thing, you know it's coming from. Lorsque Dieu bénit quelqu'un, when God blesses, Dieu lui donne le temps. God give him time. Hallelujah. Hey. Hallelujah. Lorsque Dieu te bénit, Dieu va te donner tout le temps nécessaire. Give you all the time you want. Tu vas même vieillir. Give it to me. Oh. Tu vois tellement tu as l'argent, il y a des gars à côté de toi qui tiennent, qui te tiennent. Tu dois vivre ta bénédiction. Amen. You have to live your blessing. C'est pas comme cela. It's not like this. Non. No. Moi. Me. On parlera de ma bénédiction. Well, about your blessing. On parlera de mon élévation. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Et ma bénédiction, je le vivrai. I'm blessed, I will live it. Je le vivrai. I will live it. Hallelujah. Amen. Il faut que je me réjouisse de cela. I need to be glad about it. Dieu ne peut pas te bénir aujourd'hui et demain tu es mort brusquement comme ça. Don't call blessing today. D'où vient cette bénédiction? À quoi sert-il? Why is it going to be there? Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur est fidèle. The Lord is faithful. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, and because she stayed there for a long time praying to the Lord, Élie observa sa bouche. And Elijah observed her mouth. La Bible nous dit, Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. The Bible says that she was praying in her heart, but she was only mouthing. Et Élie dit ceci. And Elijah said, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? How long will you stay in drunk? Fais passer ton vin. Go, put your wine away. Ça c'est une épisode. And an episode. De Anne que Élie n'avait pas compris. I've heard of that, and I just didn't understand. Écoutez, je m'adresse à toi qui es dans des situations pareilles. I'm talking to you with this kind of similar situation. Je m'adresse à toi qui souffre. I'm talking to you who is suffering. Je m'adresse à toi qui est stérile. I want you to come give birth. Écoutez-moi. Listen. Il y a une épisode dans ta vie. There is an episode in your life. Que ni ton mari, that neither your husband, ni ta famille, ni ton pasteur, neither your pastor, ni qui que ce soit, neither anybody else ne puisse les connaître. They do not know. Alléluia. Amen. Restez dans la présence de Dieu. Stay in the presence of God. Demandez à Dieu ce que ton cœur désire. Ask God what your heart desires. Parce qu'un prophète peut se tromper. Because a prophet can be mistaken. Un pasteur peut se tromper. Parce que Élie s'est trompé. Élie croyait que Anne était ivre. He thought that he mais oh Anne, bon, Anne avait changé d'épisode. Anne était dans la présence de Dieu. Anne, et
et de donner quelque chose que personne ne savait. That no one knew. Samuel. Samuel. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Listen to what the Lord has said. Non. Fais passer ton vin. Put away your wine. Anne répondit. Hannah replied. Non. No. Non, Seigneur. No. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Yes. I am a woman who is suffering in my heart. Un chrétien, c'est pas quelqu'un qu'on voit qu'il souffre. A Christian is not someone that we see as suffering. Écoutez-moi très bien. Listen. Ne montre jamais aux gens que tu souffres. Never show people that you're suffering. La souffrance doit être intérieure. The suffering must be inside. Ta souffrance doit être interdite, ça doit être caché, personne ne peut le voir. The suffering should be hidden inside you. Anne dit. Anne said. Non. No. Je suis une femme qui souffre en son cœur. I am a woman who is. Je ne bois ni vin, ni boisson enivrante. I did not drink anything that contains alcohol. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. But I was crying my soul to the Lord. Je répandais mon âme devant l'Éternel. I was praying my soul to the Lord. Hallelujah. Amen. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Do not think of me as a wicked woman. Car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Because it is due to my grief and suffering that I've been able to talk like this. Anne a enseigné Élie. And I told Elijah. Et Élie reprit la parole et dit. And Elijah took the word and said. Va en paix. Go in peace. Et que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Amen. Que tu. Que tu lui as adressé. You que Dieu n'exauce pas ma prière. God answers the prayer. Parce que Dieu n'exauce pas seulement la prière du pasteur. Because God does not just answer the prayer of the pastor. Mais ta prière aussi. But your prayer as well. Il y a des femmes. There are great people. Que le Dieu d'Israël exauce ta prière. God will answer the prayer. Oh, arrêtez d'aller chercher seulement la prière du pasteur. Stop looking for the prayer of the pastor. Il y a un temps où Dieu a besoin de ta prière. Lorsque Anne a pris la décision de faire sa propre prière, to make her own prayer, ce jour-là, that day, Dieu l'avait exaucé. God has answered her. Alléluia. Amen. Mm. La Bible nous dit, the Bible says, dans le cours de l'année, that during the year, Anne devait enceinte, and the son, qu'elle nomma Samuel. She named Samuel. Samuel veut dire. The no means, je l'ai demandé à l'Éternel. To the Lord. Écoutez-moi. Yes, sir. Ce que tu as chez toi. What you have at your house. Le bien que tu as. The goods that you have. La voiture que tu roules avec. The house that, la maison que tu as. The house that, le compte en banque que tu as. The bank account. L'as-tu demandé à l'Éternel? Have you asked to the Lord? L'enfant que tu as. The children that you have. L'as-tu demandé à l'Éternel? Have you asked him to the Lord? Je dis bien Samuel. I'm saying Samuel. C'est notre bénédiction. It's our blessing. Qu'est-ce que cela veut dire? What does this mean? La vraie bénédiction, c'est celle que je demandais à Dieu, moi. Je le demandais. I have asked God. Ce n'est pas la bénédiction que l'homme de Dieu m'a imposée là, mais non. La bénédiction que je pris le temps de me mettre dans la face de Dieu pour lui dire Seigneur, donne-moi. Et lorsque Dieu me donnera, je dirai, oh, j'ai Samuel, parce que je l'ai demandé à Dieu. Et je dis, j'ai Samuel. Yes. Ma voiture que vous voyez est Samuel. Et Samuel. Je ne l'ai pas pris parce que je fais ceci. Non, je l'ai pris pour lui dire, oh, j'ai entendu un jour une femme qui m'a dit, voilà le pasteur qui avait prié pour moi. Et c'est grâce à ce pasteur que j'étais tombé enceinte. Ah, ton enfant n'est pas un Samuel. Ah, je dis, ton enfant n'est pas un Samuel. Your child is not a Samuel. Tu l'as demandé à qui? You asked who? Tu l'as demandé à qui? You asked who? Anne a dit, Hannah said, on l'appellera Samuel.
Samuel. You put him Samuel. Parce que je l'ai demandé. Because I asked. Écoutez bien. Je l'ai demandé. I asked. Pas un homme. Not through a man. Pas un prophète. Not a prophet. Pas un magicien. Not a magician. Pas un occultiste. Pas un marabout. Mais je l'ai demandé. I asked. À l'Éternel. The Lord. Alléluia. Amen. Oh, ma question est celle-ci. My question is, est-ce que ce que tu as, is what you have, tu l'as demandé à l'Éternel? Did you ask it to the Lord? Parce que si tu l'as demandé à l'Éternel, if you ask it to the Lord, tu dois le retourner à l'Éternel. You can give it back to the Lord. Si Dieu te donne de l'argent, and God gives you money, ce n'est pas pour que tu puisses construire des villas. It's not for you to make villas. Pour que cet argent puisse contribuer pour l'œuvre de Dieu. So that money contributes to the pour le faire humanitaire. To help people. Alléluia. Regarde nos pasteurs africains. Look at our African pastors. Leur argent c'est pour eux-mêmes. Their money is for themselves. Alléluia. Ils sont là, ils se glorifient de ce qu'ils ont. Just there in the prison of what they ils vous parlent même de voitures, de belles voitures qu'ils ont. Even telling you about the good. Ils vous montrent même leur villa. Show you their villa. Non. No. Si ce que vous avez if you, what you have est un Samuel, Samuel et que vous l'avez demandé à Dieu, ask it to God, alors rendez à Dieu give it back ce que Dieu vous a donné. What God has given. Hey, je dis rendez à Dieu give it back ce que God. Dieu vous a donné. Regarde ce que Anne a fait. Look what Anne did. Parce que Samuel, because Samuel elle l'avait demandé à Dieu. Ask it to God. Écoutez ceci. Listen. Anne dit, verset 26, mon Seigneur, my Lord, pardon. Sorry. Aussi vrai que ton âme vit, as surely as you live, mon Seigneur, je suis cette femme qui m'était née ici près de toi pour prier. I'm the one who stood here beside you praying to the Lord. Écoutez, quelques temps après, quelques temps après que Samuel était né, a few moments after Samuel was born, Anne a pris Samuel. Anna, après l'avoir sévré, elle amena Samuel dans le temple. She brought Samuel to the temple. Et écoute ce qu'elle dit à Élie. Look what she said to Eli. Je suis Anna. Cette femme qui m'était née ici près de toi pour prier l'Éternel. I prayed for this child and the Lord brought in me. Et il prend l'enfant. Et il dit, c'était pour cet enfant que je priais. It is for this child that I was praying. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. And the Lord has answered the prayer that I have offered. Aussi. And. Aussi. And. Je vais le prêter à l'Éternel. I'm going to give him back to the Lord. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. His whole life will be given over to the Lord. Ce que Dieu a donné. What God has given, il faut le redonner à Dieu. You need to give it back to God. Alors la réponse est claire et simple. So the answer is clear and simple. Quand tu vois quelqu'un, when you see someone qui est béni, blessed, soi-disant, maybe, et que sa bénédiction and his blessing n'est et qu'elle n'amène pas sa bénédiction vers l'Éternel. C'est que cette bénédiction-là, il ne l'a pas demandé à Dieu. He didn't ask it from God. Je ne sais pas si je m'explique bien. I do not know if I'm explaining myself well. Parce que ce que Dieu m'a donné, because what God has given me, mon fils me dit, Pastor, je peux avoir 100 euros. Can I have 100 euros? Je lui donne 100 euros. I give him 100 euros. Mais comment mon fils peut hésiter de me donner quelque chose après ça? Well, how can my son hesitate to give me something after that? Peut-être il ne peut pas me donner les 100 euros que je lui ai donné. Maybe he can't give me the 100 pounds that I mais un jour je peux revenir ici. One day I can go back. Je vois qu'il m'achète un petit cadeau. And I'll say, can you bring me back something? Venez, pasteur, je t'ai acheté un cadeau. He said, Pastor, I've bought you something. Mais là, je vais oublier. And then I'm going to forget. Que des cadeaux que mon fils me l'a acheté. The gift, the il me l'a acheté avec les 100 euros que je lui avais donné. He would have won. Même si le cadeau coûtait 10 euros. Even though the gift was 10. Mais il a remis à l'Éternel ce que l'Éternel lui a donné. He gave back Samuel. Amen. Ah, je
ne sais pas si vous comprenez. I do not know if you understand. Hallelujah. Anne est revenue dans le temple. Et a amené Samuel. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Dieu fait chaque chose à son temps. God does everything in his time. Ne vous fatiguez pas. Do not tire yourself. Arrêtez de pleurer. Stop crying. Arrêtez de se lamenter. Stop crying. Restez dans la présence de Dieu. Stay in the presence of God. Oh, je veux vous dire une chose. I want to tell you something. Vous avez assez gêné. Yes. Vous avez assez chassé les démons. Mettez-vous simplement dans la présence de Dieu. Mettez-vous dans la présence de Dieu maintenant. La Bible déclare que là où il y a Dieu, il y a tout et rien ne manque. Là où il y a Dieu, l'esprit mauvais ne peut pas résister. Là où il y a Dieu, il y a la délivrance. Là où il y a Dieu, il y a le miracle. Là où il y a Dieu, il y a le salut. Là où il y a Dieu, il y a tout. Amen. Demeurons dans la présence de Dieu. Pourquoi ton cœur est-il attristé? Why is your heart saddened? Enlève la tristesse. Take away that sadness. Mets-toi dans la présence de Put Dieu. The presence of God. Laisse Peninnah faire son travail. Let Peninnah do her work. Parce que Peninnah nous sert à chercher la face de Dieu. Amen. Peninnah nous pousse à chercher la face de Dieu. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse ta belle famille se moquer de toi. Laisse ta famille se moquer de toi. Laisse tes amis se moquer de toi. Mais au moment convenable, lorsque Dieu prendra la décision pour toi, personne ne révoquera la décision. Amen. 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 Ne sois plus attristé. Demeurez dans la présence de Dieu. Et ce que Dieu vous donne, ramène-le à Dieu. Dieu vous bénira. Merci beaucoup. Thank you. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Que cette parole soit gravée dans votre esprit. May this word stay in your spirit. Ne demeurez pas à écouter seulement. Do not stay, just listen. Mais mettez en pratique. Put it. Mettez en pratique. Apply it. La vraie délivrance, the true deliverance, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. Is to stay in the presence of God. La vraie délivrance, the true deliverance, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. Is to stay in the presence of God. C'est d'avoir l'intimité avec Dieu. Is to be personal with God. Et tôt ou tard, and anytime, tu verras, you will see la main de Dieu. The hand of God. Dieu te bénira. Amen. Il te donnera ce que ton cœur désire. Tu ne seras plus une femme malheureuse. Tu ne seras plus un homme malheureux. Mais la joie comblera ton cœur. But joy will be in your heart. Et tu deviendras un témoignage vivant. Je dis tu deviendras un témoignage vivant. Je dis tu deviendras un témoignage vivant. Amen. Yes. Attendez le temps de Dieu. Wait for the time of God. Femme, arrêtez de pleurer. Woman, stop crying. Ce que tu vis, what you are living, Dieu le sait. God knows it. Dieu le connaît. God knows it. Peut-être ça vient de lui. Maybe it comes from him. Demeurez dans sa présence. Stay in his presence. Demeurez dans sa présence. Stay in his presence. Dieu est fidèle. Il te donnera au moment convenable. Et lorsqu'il te donnera, il ne te donnera pas n'importe quoi. Il ne te donnera pas n'importe quel enfant. Il te donnera l'enfant le plus brillant. Il te donnera l'enfant le plus beau. Il te donnera l'enfant le plus intelligent. Il te donnera un Samuel qui fera la différence, même si tu en as un. Oh, je me souviens, il n'y a pas très longtemps, je parlais avec une de mes filles spirituelles. Je lui ai demandé, ma fille, tu as combien d'enfants maintenant? Elle me dit, papa, malheureusement, j'en ai qu'un. Et je lui ai dit, mais ce que tu as, ça doit être un Samuel. Et là, elle m'a dit, amen. Amen. Elle a dit, pasteur, j'ai compris. Yeah, I understood. Ce n'est pas, tu n'as pas besoin d'en avoir 3, 4, 5, 6, 7 have, comme les autres. You don't have more. Mais un seul one peut te suffire. Can stay. Un seul one peut changer ta vie. Change your life. Un seul one peut changer ta situation. Change your situation. C'est la chose que tu as demandé à Dieu.
That is what the thing that you have to ask God. Est-ce que ce que tu as? Is what you have. C'est un Samuel. Samuel. Est-ce que ce que tu as? Is what you have. C'est un Samuel. A Samuel. Est-ce que tu l'as demandé à Dieu? Did you ask it for God? Est-ce que c'est Dieu qui te l'a donné? Did the Lord give it to you? Point d'interrogation. Question mark. Parce que si ce que tu as, if what you have, c'est Dieu qui te l'a donné, is given from God, alors retourne dans les temples. Amen. À lui de remettre. Que Dieu vous bénisse, à comme vous êtes pour le Seigneur, et j'appelle à ce moment.